La télévision de la Métis, 3 employés, donc il y a moi-même qui occupe, on me surnomme l'homme aux 6 postes, donc il faut être très polyvalent ici dans les télévisions communautaires à ce moment-là. Et j'ai pour m'accompagner donc 2 autres personnes qui sont caméramans, vidéographes, infographistes. Et on a aussi un conseil d'administration composé de 7 personnes pour venir à bien les destinées de la télévision de la Métis. Donc, je ne dis pas la destinée, mais la destinée, dans le sens que les défis sont toujours très grands pour les télévisions de la télévision de la Métis, mais les télévisions communautaires autonomes au Québec. Là, pour corriger l'image, j'ai mis une coupe d'effet là, pour atténuer la saturation puis baisser le taux de rouge. Nous autres, on est une petite équipe de 3, fait que c'est pas une équipe de travail, c'est comme une petite famille. On est tous là depuis plusieurs années. Puis la consolidation travail-famille aussi. Nous autres, en étant une petite équipe ici, ben, on a tous des jeunes enfants. Fait que quand il y a un congé scolaire de quoi de même, ben je peux traîner mon petit bonhomme sur les lieux de tournage souvent avec moi. Ce qui fait que beaucoup d'autres entreprises, on ne pourrait pas le faire, là. Ce qui fait la beauté de notre travail, c'est qu'il n'y a pas de routine. Il n'y a pas 2 journées dans la semaine qui vont être pareilles. Une journée, tu peux faire du montage. Une journée, tu vas être sur la route. Tu rencontres plein de gens. Des fois, c'est en soirée, les événements. Comme là, moi, ça fait ma 13e année. Marc, lui, ça fait 16-17 ans. Les gens du coin nous connaissent, puis ils aiment bien nous voir parce que avec la diminution de médias en région, bien, notre présence devient de plus en plus importante. Puis on touche pas juste la politique puis les sujets qui touchent tout le monde. On va vers les petits organismes, ceux qui aident les gens. On aide à faire connaître tous les petits coins de notre région. On peut faire autant du sport, de la politique, de la culture. C'est ce qui fait la beauté du charme. Déjà, le niveau est plus élevé en début de saison que l'était l'année dernière à pareille date. Et au niveau financier, ça va bien? Ça va quand même assez bien. On va présenter ça. La MRC de la Métis, c'est 18 000 quelques personnes. C'est 16 municipalités. Si on n'était pas là, si on ne se rendait pas sur le terrain, bien, ces gens-là n'aurait pas d'actualité parce que faut dire aussi que dans la Métis, le seul média qui a son siège social avec des employés métissiens et pour nous, l'information, c'est 100% métissien, ben à ce moment-là, ces gens-là ne seraient pas couverts. Un exemple récent, donc Jean-François Caron, l'homme fort, ben, est originaire de Les Hauteurs. Et du côté de Les Hauteurs, eh bien, on a décidé de lui rendre hommage récemment en lui érigeant une statue à côté du conseil municipal, de la bâtisse municipale. Et si on n'y était pas allé, ben, à part Novo qui s'est déplacé, il n'y a aucun autre média qui s'est rendu sur place. Et ça, c'est de plus en plus souvent que ça arrive. Si la télévision de la Métis n'est pas présente sur place, le point de presse ne servirait à rien. Alors, Monsieur Langevin, donc aujourd'hui, du côté de Les Hauteurs, on inaugure une belle sculpture donc, qui est dédiée à Jean-François Caron, l'homme fort. Il faut que tout le monde comprenne ce qui est là. Pas de texte écrit à côté, comme on voit très souvent. Peu importe la culture de la personne. Oui, peu importe. Donc, ce sont des œuvres de mémoire, hein, bien souvent. Comme j'ai fait Félix Leclerc au Parc La Fontaine, cet homme-là, on ne pouvait pas l'oublier. Vous avez joué au bingo. Vous voulez soutenir votre seul média de métissier. La télévision de Métis a pensé à vous. Dès le vendredi 29 septembre à 18h30, vous pourrez gagner de l'argent tout en vous divertissant grâce au télébingo. Ça nous fait 53 minutes, fait qu'il nous reste 7 minutes pour le bloc pub à la fin. Pour les médias communautaires, l'important, c'est vraiment l'information et l'information locale. Donc, c'est important d'aller couvrir parce que le savoir-faire, donc faire place aux artistes de chez nous, s'ils n'ont pas la vitrine de leur télévision communautaire autonome, ben c'est une vitrine qui ne pourrait pas se permettre à ce moment-là. Donc, c'est excessivement important là, et de se rendre, donc, comme on le disait tantôt, sur le territoire. Donc, tout le monde a sa place comme sujet pour une télévision communautaire à ce moment-là. On veut être présent, mais sur le terrain de l'intervenant ou de l'organisme qui veut nous parler. Ça, pour nous, c'est excessivement important. Ça amène comme peut-être une touche distinctive, même par rapport à aux grands médias, là. Donc, c'est pas on essaie le moins de possible. Oui, c'est beaucoup d'entrevues, mais on évite les shows de chaise en bon québécois. Là. Donc, en allant sur place et en allant rejoindre la personne, puis elle aussi se sent très souvent plus à l'aise d'être dans son propre milieu.
Puis, ben, ça démontre qu'on est la télévision de la métisse. Parce que nous, il y a quelques années, on a fait disparaître le mot communautaire. C'était la télévision communautaire de la métisse. Mais communautaire est un peu beaucoup, malheureusement, dans l'esprit des gens, péjoratif. Donc, fait à la sauvette. Bon, c'est fait par des bénévoles. Il n'y a pas de qualité, etc. Alors que c'est totalement faux. De plus en plus, oui. Parce qu'au début, les gens, ben, télévision communautaire, ben, ils disaient, bon, c'est juste communautaire, c'est juste communautaire. Mais à force de juste voir nous comme médias, puis qui fait de la couverture, puis qui les informe de ce qu'on fait, de ce qu'il y a dans le coin, ben, de plus en plus, ben, on est reconnu, puis les gens apprécient bien de nous voir arriver sur différentes activités. Cet été, ça bouge à Mont-Joli, avec une programmation variée qui saura plaire aux jeunes, aux adultes et aux familles. Musique en tout genre, au mardi musicaux jusqu'au 15 août à 19h, sur la scène extérieure derrière le Château Landry. L'un des beaux projets que l'on a, il y a eu discussion entre le milieu scolaire et la télévision communautaire. Faudrait mettre entre les mains de nos jeunes des outils pour qu'ils puissent produire puis parler d'eux autres, etc. Et ils font de la radio, ils font de l'Internet, ont leur chaîne YouTube. Ils voient ce qu'ils font, ce qu'ils sont capables de faire, mais en plus, on a la rétroaction de leur parenté, leurs amis. Et tout ça permet tranquillement de changer la réputation, les idées, et ça permet aux élèves de se sentir fiers. Parce qu'au début, les gens qui participaient à ce projet-là, les élèves, c'était tous ceux qui ne faisaient pas partie des différentes concentrations. Donc, eux-mêmes avaient la possibilité de pouvoir faire quelque chose. Et là, ça leur permet d'entrer en contact avec plein de gens qui n'auraient pas la possibilité si on n'avait pas la possibilité d'avoir justement du matériel pour faire des entrevues et faire la promotion de tout ce qui se passe à l'École du Mistral. Bonjour, chers auditeurs. Et oui, c'est un retour pour l'émission des Mistral. En arrière de la console, William Bérubé, Lucas Boulay et Justin Cloutier. Comme animateurs, Élise Cavana, Derek Dastou, seront de la partie pour le reste de l'année. Au programme aujourd'hui. Entrevue avec Louis-Michel Italien, entraîneur de football. Entrevue avec la directrice de l'École du Mistral, Mme Christine Marquis. Entrevue avec Charlotte Perret, élève de la concentration football. Et pour terminer, entrevue avec Léonore Desgagnés, élève de la concentration football. Et là, ce qui est intéressant, c'est que quand c'est diffusé sur les ondes de la télé communautaire ou sur notre chaîne YouTube, bien là, hey, ça se trouve à être mon jeune, ça se trouve à être mon petit-fils qui a fait l'entrevue avec Christina Michaud, qui a rencontré Pascal Bérubé. Donc, ça permet d'entrer en contact, puis ça donne en plus de ça à la communauté méticienne la possibilité de pouvoir s'informer davantage que si, au départ, ça avait été un pur inconnu qui aurait fait l'entrevue. Étant donné qu'ils ont un lien affectif parce que ça représente quelqu'un qui sont dans leur parenté, eh bien, ça permet de mieux informer et de faire en sorte d'avoir une société qui est davantage libre. Parce que j'arrête pas de dire aux élèves, plus vous en savez, plus vous êtes libre. Ce que je trouve cool de la radio aussi, c'est que ça nous donne une chance de parler, mais pas pour n'importe quoi. Être à la radio, tu sais, tu te fais vraiment demander d'aller interviewer des coachs, interviewer des personnes. Moi, ce que j'aime là-dedans, c'est que, tu sais, avoir un rôle, mettons, pas, tu sais, je suis comme, je suis pas journaliste pour TVA Nouvelles, mais tu sais, moi, personnellement, ce que j'aime, tu sais, c'est une fierté d'être ici, là, parler des actualités qui se passent au Mistral, qui se passent dans le monde du football, dans le monde du hockey, parce que, tu sais, comme, c'est quelque chose que j'aimerais faire plus tard, ça, tu sais, être journaliste, c'est un honneur, on peut dire ça de même. Bonsoir, Louis-Michel, ça va bien? Bonjour Derek, ça va bien toi? Ouais, ça va bien, merci. Alors, ma première question est, le premier match sur le nouveau terrain synthétique arrive à grands pas. Comment toi et les équipes du Mistral se sentent en vue de ce premier match historique? Ben, c'est sûr qu'on est fébrile. Ça fait quand même plusieurs années, plusieurs mois qu'on attend ce terrain-là. Juste le fait de pouvoir pratiquer là-dessus, là, ça me donne un petit avant-goût de pouvoir avoir l'air samedi prochain. Salut tout le monde, Laurent Duvalet-Tardif, j'espère que vous allez bien. Écoutez, c'est un grand jour pour la ville de Mont-Joli, pour les jeunes et les moins jeunes qui pourront profiter de ce magnifique terrain synthétique. Honnêtement, je salue l'initiative parce qu'il faut se doter d'infrastructures pour que nos jeunes puissent bouger, s'épanouir à travers le sport. C'est ce que vous avez fait. Donc, félicitations, bon sport! Thank you.
La situation des médias actuellement, c'est définitivement en crise. Et c'est plate parce que la crise touche beaucoup le privé et les gros médias montréalais, mais on en subit les contre-coups indirectement. Si on pense entre autres à Facebook, à Meta, donc les coupures de nouvelles accessibles au Canada depuis récemment, puis parce que nous, je l'ai vécu la semaine passée. Meta m'a averti, on a publié quelque chose, 3 articles avec un lien, puis j'ai eu 3 avertissements coup sur coup. Donc, au niveau de Facebook, pour éviter d'être bloqué, donc on a sur notre page Facebook la télévision de la Métis, donc on met toujours un petit texte en haut, et donc qui indique le sujet sans nécessairement trop en dire. On a pris le temps de se faire une petite ligne donc, et le mettre bien en évidence sur chaque photo. Donc on fait une photo puis on rajoute le lien. Puis à ce moment-là, ben, on voit qu'on l'a toujours en premier commentaire. Ça avait quand même de l'impact là, pour les internautes. On le voit dans cette crise des médias-là, pour le moment, quels sont les médias qui restent? C'est le communautaire. Et étant donné qu'il y a une crise partout dans les différentes salles de nouvelles, bien, je viens de le dire, moins on est informé, moins on est libre, moins on est au courant de qu'est-ce qui se passe à côté de nous. Et c'est à ce moment-là, ici, qu'il y a des gens qui peuvent en profiter. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir un média communautaire fort pour que ça soit le représentant de qu'est-ce qui se passe sur le terrain et d'informer les gens, que ça soit un reflet de société et de leur communauté. C'est pour ça que le communautaire, et c'est pour ça que le projet de l'agence de presse est si important, parce que ça permet de pouvoir montrer que c'est accessible ici, qu'on peut quand même en vivre. Si j'avais un petit mot à ajouter, c'est prenez-en conscience, vous, à la maison, présentement, de l'importance de votre TV, puis si vous avez un peu de temps, ben offrez-vous pour faire du bénévolat. Puis, si vous avez un petit 10$, prenez-le à votre carte de membre. Puis, si vous êtes une entreprise, ben pour ce que vous allez obtenir pour peut-être une heure dans une radio ou une télé privée, ben chez nous, probablement, vous allez en avoir pour un mois.